Alors, LetterQuest Grim Journey, en gros, c'est un Scrabble. Plus ou moins, c'est un jeu de lettres en fait. Où vous avez un petit. Le faucheur que vous voyez en fond là, qui défile, doit sauver le monde parce que les fantômes l'ont envahi. Et pour ça, il va se battre à coups de mots. Alors, c'est totalement en anglais, donc mon anglais n'étant pas incroyablement diversifié, je ne vais pas faire de grands mots sauf si j'ai de la chance. Alors, ne rigolez pas. Ou si, rigolez, c'est drôle. Comment ça se passe? Vous avez un monde. Un peu comme tous les jeux iOS en fait, avec plusieurs étoiles à l'intérieur. Je vous montrerai à quoi, comment on obtient les étoiles après, mais pour l'instant voilà. Et dans ce monde, donc une quête avec un monstre à tuer ou deux. Chaque quête vous rapporte des pierres précieuses. Vous voyez en haut à droite, non, il y a le logo dessus. Alors je vais changer le logo. Donc, ces pierres précieuses vous permettent. Alors là, vous avez des quêtes classiques aussi d'un jeu iOS. Donc là, vraiment, on peut utiliser 5 lettres empoisonnées, battre un mini-boss ou esquiver 3 attaques. Ça, c'est un peu automatiquement, c'est pas trop à vous de les chercher, ça. C'est comme d'hab, quoi. Bon, si vous avez déjà joué à un jeu iOS Android, vous n'êtes pas dépaysé. Vous avez le magasin. Alors, bien sûr, il n'y a pas de paiement en ligne, là. Hein. C'est que du. Avec la monnaie du jeu. Vous pouvez augmenter votre vie, votre attaque, votre défense, les chances d'esquiver, d'obtenir plus d'argent quand vous gagnez un match, augmenter l'effet des potions, avoir plus de potions disponibles. Vous avez un bouquin qui en fait office de compétence. Donc là, ma compétence, c'est que les mots avec deux lettres identiques dans un seul font 20% de dommages en plus. Des potions de vie, des potions de purification, c'est pour le poison. Et là, par exemple, j'ai acheté le fait qu'on voit la barre des. Qu'on voit les dégâts que va causer mon attaque sur un monstre. Je peux faire pareil pour mon bonhomme que je n'ai pas encore débloqué. On a des héros à débloquer. Je suis un peu déçu que la fille soit pas débloquable directement. On se demande pourquoi, mais c'est évident en fait. Ça me paraît bête de faire ça. Mais c'est pas grave. Je sais pas s'il y a d'autres héros à débloquer. Des armes qui ont des compétences spécifiques. Là, par exemple, elle donne 6 vies, 6 points de vie si je tue un monstre, etc. Et on peut aussi changer la tête de nos lettres. Alors, je vous montre tout de suite le jeu. Je vais faire un petit niveau tranquille. Voilà, là, on peut faire tit. Voilà. Je sais, c'est pas très fin. Voilà, ce sera mon premier mot. Après, on peut faire ploc. Non. Place. Place. Placif. Non. Placif. Oui. Hop, on le tape. Alors plus vous avez de lettres et plus vous tapez fort. Les lettres grises. Pog. Poche. Non, n'importe quoi. Sache. Ah, sac. On va taper avec sac, tant pis. Hot. Hop. Red. Red, voilà. Bien sûr. C'est dur en anglais. Hein. Donc là, je suis en temps limité. Il faudrait vraiment que je me dépêche. Oh, un peu ogre, je pense. Fart. Fart le mec. Gel. Dépêche-toi. Je suis avec des petits mots du coup. Hein. Ent. Ah non, time's up. Alors, je recommence. On va voir comment ça va y arriver. C'est super dur en fait, hein. Qu'on n'a pas une énorme. Fire. Hop là. Wouf. Tape. Darn, ça existe? Darn, oui. Je sais plus ce que ça veut dire, ça existe. À gauche, vous avez la définition du mot. Hop, ça c'est fait. Yeah! Alors vous voyez, à chaque fois que je gagne une partie, ma compétence gagne de l'XP pour s'améliorer. On a un mode hardcore, donc c'est niveau 6, j'ai pas le niveau du tout, donc je vais pas le faire. Hop, on va retourner au jeu. Donc là j'ai 326 de cristaux. Je peux améliorer directement ma compétence du livre, mais je vais le laisser monter toute seule. Et je peux acheter d'autres choses. Bon là je peux pas acheter grand chose, donc je vais garder, mais. Voilà. Don't take more than. Voilà, ok. On va essayer de pas prendre plus de 200 de dommages. Essayons ça.
Ah, je sais pas si on dit Atoms. 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 Baston. Oh, on peut mettre baston, mais. B-A-S-T-E. Baste. Best. Oh, c'est beau, best. Hop. Host. On va être host. Hostie. Ça marche, hostie? Non, ça marche qu'en France. Host, non host. Bah, hostel. Moi, j'ai mis 30 pour le péter, donc faut que je me dépêche. Wait. Ah, elle s'est empoisonnée. Je me suis empoisonné comme un blaireau. Aïe. Aïe, d'ailleurs. Aïe. Aïe. Zai. Zi. Zif. Zif. Zik. Zi. Zaid. Zaid. Fad. Ouais, ça marche. J'ai une minute pour le battre. Bame. N'importe quoi. Ami. Vas-y, ami. Ah bah non, mais c'est trois lettres, je suis bête. Salut Pobili. Bon, en fait, il y a plein de monde sur Twitch. Je sais pas pourquoi je suis parti, hein. Vous ne m'avez pas suivi, ce que je comprends, enfin, parce que je le fais pas non plus. Mais bah, arrête de faire des lettres, des mots de trois lettres. Et bah, du coup, peut-être, tu vois, il restait. Alors, c'est bite, c'est mordre, d'accord. Salut Pascal. Biten. Non, Biten. Les gens qui viennent sur le live et qui tombent sur ce mot. Non, je ne suis pas un pervers, j'ai plus 30 secondes où te parler. Allez, rate. Je vous explique après comment ça marche. Von. Ah, mais c'est trois lettres, je peux pas. Voyons. Cui. Bac. Bon, bah, c'est bon. Non. Je sais pas. Alors. Mais c'est super dur en anglais en fait. Hein. Ok, Ion, je crois que ça existe. Voilà, ça marche. Ah, ils sont moches les trucs. Ah, il y a Matt là. Ouf, il est tout fait. Elles sont super moches les lettres. J'ai changé une la prochaine fois que je pars dans la boutique. Tuile, ça existe en anglais. Non, ça existe pas. Bon bah, attends. Burn. Mais j'ai pas de. J'ai Burr. Mais Burr, il voudra pas parce qu'il veut. Buril. Tile. Ah, il y a Tile. C'est tuile d'ailleurs, je crois. Hop. Voilà. Gun. Mais non, il faut que je. Gunner. J'ai pas de. Non. Grun. Grun. Non. Green. J'ai pas d'autre E. Ah non. Nul. C'est ça, c'est moi, c'est nul. Tony. Oh, ça marche. Let's go, Tony. Piru. Pyro. Ah, il y avait Pyro tout à l'heure, dommage. Fuel. 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 Ah, il y a Fuel. Ah, faut que je me dépêche, faut que j'aille plus grand. Pied. Dipe. Deep. Ah, et Deep. Deep. Voilà. Ruine. Ruim. 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 Muir. Mur. 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 Hop là. Bio. Bo. Bog. Bog, ça marche. Bogo. Ah, et Bogo, ça existe. Non, je sais pas. Bono. Ah, y'a Bong peut-être. Ah, oh, ça marche. Joy. Joy. Ah, mais je peux pas. Biz. Bizi. Jibs. Elle m'a tout de suite dit que c'est de la bouffe. Sacre. Cars. Cars. Ah, oh, j'ai 30 secondes. Vine. Vine. Vint. Hint. Encore un. Fert. Fer. Mir. Ouah, je l'ai eu. C'est bon. Voilà, j'ai battu le mini-boss. Et du coup, là, faut que je fasse un mot pour péter les cristaux. Mais de toute façon, il n'y a plus de temps. Il me restait 20 secondes. C'était chaud, chaud, chaud. Ah là, alors là, par exemple, j'ai 9 tentatives pour trouver le mot. C'est comme un pendu. Donc, je vais mettre. Je sais pas si je peux. Ah, mais je peux utiliser le clavier en fait. J'avais pas fait gaffe. Bon, encore mieux. Il y a des S, il n'y a pas de S. Bon, on va faire du E, enfin le A. Non, le I. A et de I. Donc il n'y a peut-être pas de E. D. Il y aura un N avant le D. Ah non, mais après. D. Alors là, ça finit par quoi? Dind. Din. Din. Dino. Dinu. Dinu. Dimp. Dink. Ah, peut-être Dink, Ding. Ah, ouais, ouais. Il y a peut-être Dink ou Dink.
C'est la roue de la fortune, faut que vous m'aidiez à trouver. Oh là. Pouilly, aide-moi. Non, mais il n'y a pas de A. Ah, je vois pas d'habitude, je suis assez fort en ça, là. Je sèche. Un M? Non, pas de M. Un U? Non, pas de U. Ah, bah, j'ai plus le choix. Alors là, faut que je trouve. L'imp. Non, bah, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre le N et le D? Déjà. Pas de T. Y? Alors là, je sèche. Je vois pas ce qu'il peut y avoir entre le N, déjà, entre le N et le 2, alors encore moins. Binding. Non, il y a un an. T'as une lettre en trop. Mais je pense que ça finit par G, je vais essayer. Ah, bien joué. Wouah, je connais pas ce mot. King ding, ying ding. Wing ding, king ding, zing ding. Je connais pas du tout ce mot. Si quelqu'un connaît, on peut m'aider parce que là je vois pas du tout. Ing ding. Ce serait ing ding. Je connais pas le mot en fait en français. Aucune idée. Je vais être H. Ah, j'ai perdu, c'est nul. Je sais pas c'était quoi du coup. Alors c'est quoi le spécial là? Deux armor corner letter. D'accord, faut que je prenne sur les coins, ok. Hey! Bah non, ça marchait! Ah, les coins, carrément! Ça marche pas mieux avec ceux des deux, d'accord. Fox. On dirait que ça marche. Voilà, d'accord. C'est trop dur! Alors vas-y, comment il frappe pour quoi? Varro. Varrot. Celle-là, il vient, il donne les infos du jeu. Ça va tranquille, tu te crois chez nous. Fais comme chez toi. Bon, Trappi. Trapped. Bon, je suis mort là. Voilà. Bon, moi je vais m'arrêter là. Je pense que c'est un bon aperçu qu'on a fait là. J'ai passé 1 heure sur ce jeu. Je suis content. 1h08. Plus le live raté d'avant. Donc ça fait 1h30. C'est plutôt cool. Bon, bah, voilà. C'est clairement un jeu que je vous conseille. Ça s'appelle Letter Quest Grimm's. Je ne sais plus quoi. Letter Quest. C'est sorti sur iOS Android, mais je vous conseille vraiment la version pour PC et Mac. Elle est disponible sur Humble pour 2$ jusqu'à demain. Après, c'est 4$. Il y en a 3,99$ sur le site des développeurs hier. Ils ont dû faire une autre offre, sûrement. Et c'est vraiment bien. C'est super fun. C'est vraiment le jeu que vous lancez quand vous avez 2-3 minutes. C'est super fun. Les niveaux sont très très variés. Il y a plein de modificateurs de missions pour rendre ça un peu moins linéaire. Il y a des boss. C'est vraiment sympathique. En tout cas, moi, je vous le conseille vraiment. Voilà. Merci à tous d'être passés. En plus, vous êtes assez nombreux là. Donc, Twitch, ça marche vachement mieux. Il y a plus de monde, hein, clairement. Parce que sur Hitbox, bon, c'est un peu désert. Très bonne nuit à vous. Il est tard. Donc, très bonne nuit. Et à bientôt pour un nouveau live. Salut, salut!